Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'abattre des pins. Alors les pins, c'est tout simplement les sapins que vous voyez devant moi. Donc c'est pas les sapins gris clair comme ça, qui est en dessous de moi, c'est plus les sapins un peu sombres, vert sombre comme ça. Et en fait, c'est des nouveaux sapins qui sont arrivés sur Fortnite. Et ces sapins, quand vous allez les détruire, ça va vous former un gros tronc d'arbre. Et en fait, c'est ça que le défi vous demande, c'est d'abattre 5 pins. Donc 5 sapins comme ceci. Alors vous pouvez aussi les repérer. Là je suis au camp Cuddle. Ouais, c'est ça, Cuddle. Donc c'est juste ici au-dessus du camp Cuddle. Donc moi, je vais détruire les sapins qui sont là. Mais vous pouvez les repérer, hein, parce que regardez, ils ont une forme et une couleur assez unique. Donc regardez, il y en a vraiment partout. Hein. Tous les petits symboles comme ça, eh ben, c'est tout simplement des sapins. Donc il y en a vraiment un peu partout dans tout ce côté-là. Côté montagne de Fortnite, dans tout ce côté-là, il y en a quand même vraiment, vraiment beaucoup de sapins avec des gros troncs. En fait, vous le remarquez, hein, ça c'est un sapin normal et ça c'est un sapin pin. Voilà, c'est comme ça qu'ils les appellent. Et en fait, le but, c'est que vous allez devoir détruire 5 sapins. Alors, il faut savoir que ces sapins-là, ces grands sapins, quand vous les détruisez, vous pouvez en détruire plusieurs d'affilée. Regardez, si le tronc tombe sur un autre tronc, eh ben, ça détruit l'autre sapin. Donc, regardez, je vais vous montrer. Là, je vais détruire ce tronc d'arbre, enfin ce sapin. Il va tomber sur ce tronc d'arbre juste derrière. Ça va détruire les deux d'un coup. Hop, peut-être même le troisième qui est juste à droite. On va voir. Hop, non, ça ne le détruit pas. Mais si ça ne le détruit pas, ce que vous pouvez faire aussi, c'est taper un coup de pioche. Ah, là, je suis trop près de l'arbre. Ah, bah non, c'est bon, regardez, ça l'a détruit. Ce que vous pouvez faire, en fait, c'est taper contre le tronc. Et le tronc, bah, en fait, il va percuter les autres arbres, les autres sapins, et ça va les détruire automatiquement. Donc, pour réaliser le défi, ce que vous devrez faire, c'est tout simplement détruire 5 sapins, comme ça, pour obtenir 5 troncs. Et terminer le défi et débloquer les récompenses. Donc voilà, c'est un défi pas trop compliqué. Si vous venez au même endroit que moi, ben vous allez le faire assez facilement. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SwakulMec et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, yummy, yummy.